Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Mythology Extend Edition. Et donc, je vous avais laissé la dernière fois, on était sur la campagne du Trident, on venait de faire le siège, on venait à peu près de faire le siège de Troie. On avait détruit deux ports qui embêtaient l'armée d'Agamemnon sur les bords de Troie, et du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode. Eh ben, allons-y, c'est parti. Un bon plan. Alors, quel est ce bon plan? Ah, le voilà, Ulysse. Un héros d'Atlantide envoyé pour renforcer mon armée. Par ici, Arcanthos, vous connaissez sans doute le célèbre Ulysse. Je le connais. Votre réputation vous précède. Comme la vôtre. Êtes-vous prêt pour le siège? Vous pourriez nous aider à planifier notre attaque? En tant que commandant, je me suis déjà chargé des plans, Ulysse. Arcanthos et vous mènerez vos armées et commencerez le siège des ports. Excellent début. Et les autres armées? Ajax et moi garderons nos hommes en réserve. Lorsque vous serez passé, Ajax enverra ses hommes contre les défenseurs troyens. Puis j'entrerai pour libérer Hélène. D'accord. Bon, bah voilà. Voilà Ulysse. C'était le personnage qui manquait un petit peu à tout ça. Nous devrions chercher les mines de Troie et nous en emparer. D'accord. Donc on n'a pas d'or, ce qui est pas très sympathique. Alors déjà, on va lancer la récolte de nourriture. Toc. On va avoir besoin, bien évidemment, de villageois. Bon, on va lancer la... la conception d'un maximum de villageois. Alors, et les polices, genre ils avaient des tours de siège les attendez, F1 normalement on doit avoir les informations, les armes de siège, le nom de cette machine de siège qui signifie littéralement prise de ville fut pour la première fois donné à une tour mobile construite par les Grecs pour attaquer la ville de Chypre. Cette grande tour mobile était équipée de lance-pierres et balistes de différentes tailles, les plus petits se trouvant au sommet. 200 hommes poussaient la tour jusqu'aux palissades, ennemis grâce à des poutres parallèles posées au sol. Les plus grandes armes de la machine attaquaient la palissade, tandis que les plus petits débarrassaient leurs défenseurs afin de préparer l'assaut. D'accord, donc je savais pas qu'ils avaient... ils avaient ce genre d'unité, tout simplement. Je savais pas. Et c'est très intéressant. Parce que pour moi, je pensais que c'était un peu tôt. Enfin, c'était un peu tôt dans l'histoire pour avoir des armes de siège... de ce niveau-là. Oula. Donc là, il y a les archers. Ah ah, les entrepôts. Donc c'est fort possible que ça traîne dans le coin. Je pense qu'il peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe à la mano. Alors. Ok. De ce côté-là, il faudrait peut-être que je mette quelqu'un à la prière. Je vais m'en occuper. Je vais... Ah bah évidemment, on n'a pas d'or. On a zéro or. Tu vas prier, s'il te plaît. J'ai quoi ici? J'ai des campements? Des tentes. D'accord. Je vais peut-être faire un dernier navire de pêche pour aller chercher les perches. Un navire de pêche pour aller chercher les perches. Lol. Je suis drôle, hein. Vous avez vu comment je suis drôle? Alors. On va les bourriner. Ah. C'est tout? C'était une petite mine d'or. Ouais, c'est un peu planté de côté, elle. Ça me paraît un petit peu petit. Ça me paraît un petit peu petit, ça. Tiens, d'ailleurs. Avant que j'oublie. Et que ça me paume. Alors. Oula, vous avez déjà tout fini? Alors, attendez. Ça va aller me construire un entrepôt là-haut. En remplacement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là. Je vais construire un grenier pour la nourriture. Construire par là.
pour éviter qu'ils viennent me chercher et qu'ils me défoncent le cul. Méchamment. Alors là, ils sont combien? Ils sont 5. Entraîner une armée et détruisez la porte ouest de 3. Ok, c'est pas à côté quand même. C'est quand même pas à côté. Donc là, ils sont. Là, ils sont 7. Faut que je vais en mettre. Je vais mettre pas mal d'unités ici. Donc tu vas commencer par me faire ça. De toute façon, comme d'habitude, il faut commencer par créer les ressources. En extraire un maximum. Alors, ne, ça veut dire oui en grec. Hein. Pour ceux qui connaissent pas. Ah bon. Bouge pas, c'était une tour de siège, tu vas pas me faire chier. Alors, qu'est-ce qui arrête pas de bêler comme un taré là dans le coin? Ouais. Aïe. Donc il va falloir protéger là-haut, évidemment. Ils sont solides. Ok, donc là je vais avoir un petit sushi. D'accord, donc j'ai plus du tout d'unités qui sont créées. Je vais avoir un petit sushi parce que les unités en face sont solides. Rétablissement. Visez un endroit pour soigner une unité et réparer des bâtiments, armes de siège et navires vous appartenant ainsi qu'à votre à vos alliés. Ça peut être pas mal ça. Ah. Récolte pas plus vite. Du bois j'en aurai là-bas. C'est bien, il va falloir que j'en fasse des unités vite. Vite, vite, vite. J'ai pas de camp de tir à l'arc. Plus la merde. Y a pas de marché d'ailleurs, ce qui m'embête un petit peu. Parce que ça pourrait m'être très utile. Alors, j'ai commencé par faire une petite tour au cas où. Ça peut être sympathique. Ensuite. Donc là, au niveau de la bouffe, ils sont 8. C'est pas assez. Il faut toujours plus. Alors. Putain, mais arrêtez. Ah d'accord, il y a de l'abeille, il y en a. On décalera tout le monde une fois que ça sera fini. Passer à 5. Non, bah non. 6, 7. Donc 7 alors. Ah mais c'est vrai qu'il y a le compte qui est marqué. Je pourrais juste le regarder. 12 à la nourriture. Quoi? 12 à la nourriture. Comment ça 12 à la nourriture? Ah bah oui, il y a les perches. J'avais complètement oublié. Il y a les productions à l'aide de poissons. Qui sont fort utiles. D'ailleurs, il n'y a pas d'amélioration à faire là-dedans. Filet. Les navires de pêche pêchent davantage de poissons. Si, il y a des améliorations évidemment. Là, ils sont combien? Ils sont 7. Au moins le 10-10-10. Ok, un éclaireur, on s'en fout un peu. La bonne tour, ah, d'accord. Ok, la tour, elle en a rien à foutre. Elle attaque à coup de... On va améliorer les unités, je vais en faire rapidement parce que sinon... On va avoir un petit sushi. Ah, mais ça coûte de l'or, ça coûte toujours de l'or. Ouais, non, en gros, on va galérer à cause de l'or. Nice. Je suis heureux que la galère se déclare. Ok, d'accord, j'ai plus de... un Pégase ennemi. Bon, le Pégase, c'est tellement pas fort. En vrai, c'est sympa pour la... pour l'explo, mais c'est vite pas très très fort. Ça prend très très cher, quoi. Alors, toi, tu sers à rien. Tu sais... Et les polices, là, tu sers très clairement à que dalle. Récoltez plus vite. Revenez là, vous partez trop loin, vous me faites peur. Et j'ai plus assez de place pour l'entraînement. Des maisons. Ça
Voilà, masse maison. Voilà. Ça devrait aller. Parce que de toute façon, sinon, je peux plus rien faire. Ah oui, toi, tu branles rien, s'il te plaît. Va ici, il faudrait que je fasse un tour de guet. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord, j'ai plus d'or. Nice. Ne. Bah non, restez par là. Restez par là. Allez récolter du bois en attendant. Ça sera toujours ça. Sera ça de prix. Ensuite, vous. Putain, je vais avoir tellement besoin de. Je vais tellement avoir besoin d'or, ça va vite être chiant. D'accord, j'ai plus du tout de. Les Acontis, ils sont avec 1 ou 2 PV, c'est ridicule. Putain de merde! Oh là là! Putain, c'est solide en plus ces putains d'unités. Bon alors, ok, va falloir tout refaire évidemment, c'est super. Alors attendez, je vais avoir besoin de mes unités. Revenez là. Revenez ici, on va tous vous regrouper, il faut que je refasse le tri. Putain, c'est parti en couille. Alors, vous êtes 18, je vais en prendre 10. Vous allez me créer un entrepôt. Ensuite, vous allez récolter du bois. Vous, les 5 derniers, d'ailleurs, faudrait que j'en fasse, ça veut dire. Et je dois avoir des Pékins. Bah oui, forcément, j'ai des Pékins qui servent à rien. Va falloir aller récolter ça. Donc là, ils vont tous à la récolte. Voilà, et donc là, vous avez. Non, pas un grenier, un entrepôt. Bon, c'est compliqué toute cette histoire là. Ah, il y a un forum ici. Qu'est-ce qu'il faut? Tout faut rien. Il va falloir de l'or, maximum d'or. Voilà, quelques unités à distance. J'ai plus d'or. On a 8 à la récolte, ça c'est casse-pied. Le fait de pas avoir de possibilité d'aller chercher de l'or. Ah, il y en a ici, mine d'or moyenne. Du coup, peut-être un navire de transport peut être pas mal. On va prendre un navire de transport. Ouais, capacité de charge, on s'en fout un peu. Amélioration de. Putain, j'ai pas assez d'or. Ah. Bon, on va refaire une équipe. Il va me falloir aussi améliorer cette cavalerie. Mais ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Ma chaise elle fait du bruit. Pas très agréable. Alors les héros ils vont venir ici. Ok. 80 la cavalerie. Ouais. Mec il déconne. Des unités, plein d'unités. Évidemment, l'or, j'en ai pas assez. Il va falloir que je me débarrasse du forêt d'à côté, je sens. Ça peut être pas mal. Alors, on va aller voir juste de ce côté-là s'il n'y a pas une mine qui traîne. Ah, toi tu vends le rien.
Alors... Là, y'a rien... C'est les bords de cartes qui sont bizarres, d'ailleurs. Non, y'a juste rien, en fait. Y'avait que quelques mines, c'est pas très intéressant. Je vais vite avoir épuisé tout mon or. Ouais, c'est ça, je vais vite avoir tout épuisé. Ok. On commence quand même à avoir une petite armée, ça peut être pas mal d'essayer d'explorer un petit peu. Je suppose qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose sur ces îles-là aussi. Hein. Il doit peut-être avoir de quoi récolter de l'or, ça peut être sympathique. Ah. Une caravane ! Elle approvisionne 3 en or ! On peut mettre fin à tout ça ! D'accord, donc il y a une caravane, là-bas il y a de l'or. Groupe 1. Wow. Il y a eu un éclair. Ça devait être leur pouvoir à eux. Parce que moi j'ai pas utilisé le mien. Bon. Voilà, on a réglé ce problème. Côté de l'or, évidemment, vous avez fini. Allez ici, que je puisse vous ramener là-bas. Il doit y avoir de l'or qui... Là, il y a de l'or qui traîne, c'est sûr. Il doit y avoir de l'or qui traîne un petit peu ailleurs. Il est violet. Il faudrait peut-être que je passe à l'âge supérieur, mais évidemment, j'ai pas assez d'or. Bon. Bon, alors, j'ai fait pas mal d'améliorations. J'ai mis un marché, parce que finalement, on a le marché. Donc, du coup, j'ai vendu des trucs, voilà. J'ai récupéré un peu d'argent. Je suis passé à l'âge héroïque. J'ai pris, bien évidemment, Dionysos, parce que son buff de bronze est vraiment super. J'ai amélioré des unités, voilà. Je peux plus en faire, parce qu'en fait, je suis limité par la taille. Et je vous propose d'aller attaquer, tout simplement, parce que je pense que c'est le moment. Allez, on y va. Donc, on va essayer de passer par là. Je pense que par là, il y a un passage. Faut qu'on aille détruire ça, hein. J'ai pas pris d'unité de siège, parce que je pense pas qu'on en ait besoin. Ou s'il le faut, je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens. Voilà, ça c'est fait, il n'y a plus de Pégase. Donc ils ont claqué leur pouvoir, ils ont claqué leur éclair et leur invincibilité de Dionysos. Du coup, on est plutôt bien. Il y a des grosses mines. Hein. Donc là, il y a des mines, mais c'est pas ce qui m'intéresse, parce qu'au final, j'en ai une là-bas, et puis avec le... Ah bah, j'en ai plus, d'accord. Donc possiblement ça m'intéresse, mais pas pour l'instant. L'Ankibray, donc ça c'est les caravanes marchandes. Ah bah là pour le coup ils vont plus avoir rien parce que je crois que je suis un petit peu sur leur ligne. Les pauvres ânes, franchement, en plus si je les entends brère et tout là, c'est pas sympa. Ils ont rien demandé. Nice! On va leur rôder dessus. Alors, par contre, s'il y a une unité de siège là-haut, elle va être chiante à déloger. Donc pour l'instant, c'est nous qui gagnons. Hein. Alors. On est chez eux. J'ai envie de lancer mon pouvoir parce que on est vraiment juste à côté. Ah, pas tout de suite en fait. Ah non, c'est un cessez-le-feu! C'est un cessez-le-feu. Là, on est pile chez eux. Il va falloir utiliser quelque chose. Je pense qu'on va utiliser ça une fois que ça sera fini. Alors, les 35 prochaines secondes sont décisives. Celles qui vont suivre les 35 prochaines secondes vont être décisives. Allez. C'est vrai qu'on peut rien faire, là. On se regarde en chien de faïence, c'est débile. Bon. Et là, après, faut lancer ça. Pile au moment, je crois que ça dure 2 minutes. Donc on aura le temps de faire quelque chose, mais ça va être chiant. Ça va être... Tendax. 3, 2,
Go. Allez. Carlos, ces chiens grecs ont atteint l'enceinte intérieure. Ok, ça c'est fait. Oh cool, ils viennent d'augmenter, mais genre au dernier moment quoi. Alors là, faudra se méfier. Oh la vache. Aïe aïe. Ok, ça, ça a tué. Merde, merde, merde. Rétablissement ? Hors notre rétablissement. Oui, rétablissement, allez. Ça fait comme si on avait rien fait. Ils avaient rien fait, donc c'est pratique. Il faut aller détruire cette porte maintenant. Ah, attendez. Allez, on va détruire ça. Il y a moyen que ça passe. Oui ! Bah voilà ! On a défoncé la porte 2-3. Bah, c'est pas trop comme ça que ça a fonctionné quand même dans le... dans la mythologie. J'espère que cet épisode du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné. Et puis du coup, quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play pour une prochaine mission. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !